Le chemin des Trois Cœurs, ou chemin Saint-Benoît-Labre, est un chemin de longue randonnée de 232 km. Il part de Diou, abbaye de Sept-Fonds, dans l'Allier, pour rejoindre Dardilly, dans le Rhône, tout près de Lyon. Pourquoi ce chemin? Quelle signification? Ce chemin fait référence et suit les pas de Benoît-Joseph Labre qui s'est arrêté à l'abbaye de Sept-Fonds en 1769. Il a alors 21 ans. Il revêt l'habit monastique pendant 8 mois sous le nom de frère Urbain. Et puis en juillet 1770, il doit quitter la clôture. C'est alors que son destin s'accomplit, il sera moine girovague, le vagabond du bon Dieu, le pèlerin céleste. Il n'aura de cesse de marcher tout au long de sa vie qui sera brève, il meurt d'épuisement à Rome à l'âge de 35 ans, après avoir parcouru plus de 30 000 km. Parti de l'abbaye de Sept-Fonds, il rejoindra Rome, Loreto, Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin des Trois Cœurs suit son parcours jusqu'à Dardilly où il s'est arrêté souper et dormir chez les grands-parents de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars-sur-Formance. Le chemin des Trois Cœurs fait référence à la prière des Trois Cœurs, attribuée à Benoît-Joseph Labre. Ce tronçon se révèle d'une stupéfiante diversité et d'une foisonnante richesse patrimoniale. Le chemin musarde tout d'abord le long du canal latéral à la Loire jusqu'à Digoin, puis le long du canal du centre jusqu'à Paray-le-Monial. De tous les canaux bourguignons, ce dernier est celui qui possède l'activité commerciale la plus importante. Vous arriverez à Paray-le-Monial, la petite Florence bourguignonne. Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur, avec sa basilique édifiée par Hugues de Semur au XIIe siècle, joyau de l'art roman bourguignon sera une halte majeure sur votre chemin. La chapelle jésuite de la Colombière, d'inspiration byzantine, recèle de somptueux et foisonnants décors, mosaïques polychromes, autels et tabernacles en marbre de Carrare. Le village de Sarry. Semur-en-Brionnais, classé plus beau village de France. C'est un site clunisien sur le circuit des églises romanes du Brionnais. Le château Saint-Hugues. Pompe à balancier. Vous traverserez les magnifiques paysages du Charolais-Brionnais, candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO.
le lieu des paiements, sur le marché aux bovins du Charolais, à Saint-Christophe-en-Brionnais. Arrivé à Charlieu, vous découvrirez une cité médiévale classée parmi les 100 plus beaux détours de France. Les fêtes de la soirée avec les enchères de la royauté. Le musée de la soierie avec ses métiers à tisser jacquard. Le musée hospitalier et son apothicairerie surprenante. Les stalles de l'église Saint-Philibert. Saint-Jacques le Majeur. Accueil Jacquaire, à Charlieu. Chalet, gîte d'étape, au bord d'un plan d'eau, dans le village de Le Cergne. Pour la ville et le bucolique, sentier botanique de Romarin. Donne de Mardor. Un beau gîte d'étape peu avant le lac des Sapins.
camping avec cabane dans les arbres, au lac des sapins. Auberge rurale de la voisinée. Fresque murale à Cublize. Le Haut Beaujolais et ses forêts de douglas. Au cœur du Haut Beaujolais, le site marial de pèlerinage de Notre-Dame de la Roche sera assurément une halte marquante de votre chemin. À 750 mètres d'altitude, la quiétude des lieux recèle un magnétisme certain. Fin de la première partie, de Charlieu au site de Notre-Dame de la Roche. Marchez, pèlerinez, retournez à son essentiel. QR code du site internet du Chemin des Trois Cœurs.